Salut les amis, c'est Nidless85, comment allez-vous? Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur League of Legends. Donc comme je vous ai dit un peu avant dans mes anciennes vidéos, ça va faire un moment que j'en ai pas fait, c'est normal. Pourquoi? Parce que j'étais à la Japan Expo, j'ai pu rencontrer pas mal de monde et franchement c'était vachement cool. Et donc bah j'ai pas eu le temps, j'étais prévenu un peu au dernier moment, donc j'ai pas trop eu le temps de faire tout ce que je voulais. Donc c'est pas grave, donc on va ban Eka. On ban Eka. Perso très chiant dès le début, hein, avec en plus le buff des fantômes et tout ça. Ça fait très très mal. Donc voilà, j'étais à la Japan Expo, c'était vachement cool. Moi j'adore la Japan Expo. Hop, donc on va voir ce qu'on peut faire. Oh, Teemo ban. What? On va voir qu'est-ce qu'on prend. Il va être ban. Ouais. Il va être ban. Ok. Là il va être ban, bah on va prendre aller un Darius, ça peut être pas mal, ou un Voli. Volibear. Alors. Dalkoz. Blessing. Non, Blessing là. Deux AD, si là je prends Rice, c'est bon. Sylvana, ouais. Un lit, est-ce qu'on prend Rice ou pas? On prend Ryze ou pas? J'ai bien envie de prendre Ryze. Allez, on prend Ryze. La fin du monde n'est pas encore pour demain. On va prendre Ryze avec un petit TP. Surtout que son ulti ça a aussi un TP, mais bon, je préfère carrément prendre celui-là. On va prendre ça et hop là, on va prendre ça. Peut-être un peu tanky. Tac, un peu tanky là. On va se mettre un peu tanky. On va voir. Faut juste que je regarde comment ça fait cela. Méruine, vitesse d'attaque. Ouais, ça peut être bien. Ouais, on va prendre ça. Quoi? Attends, j'ai un truc là. Rice Professeur. Tiens, je l'avais pas. Je savais pas que je l'avais, donc on va le prendre. On a une belle équipe là. Ouais, on peut dire ouais, ils ont une belle équipe aussi. Là, bah, on a une Fiora, ils ont une Fiora en face, donc ouais, on va juste faire attention au dash et tout ça. C'est pas compliqué, compliqué. Ça passe facilement et on se retrouve en game. Et on se retrouve, je suis vraiment désolé. J'ai eu un crash. Ah, on va débloquer le E en premier. Pourquoi le E en premier? Parce qu'en fait ça va permettre justement, grâce avec mon flux envoûtant, à chaque fois qu'une personne va avoir un flux envoûtant, ça va mettre des flux envoûtants en plus. Donc forcément, tous ceux qui seront autour auront flux envoûtant. Donc ça sera parfait. Le professeur. Hop. Donc oui, la Japan Expo c'était vraiment cool et je pense y retourner assez souvent. Alors. Voilà, flux envoûtant applique aussi flux envoûtant sur les ennemis proches. Hop. Et ça, bon, bah ça c'est son sort d'avant. Ouais,
Mince. Que je fasse gaffe. Hop. À faire gaffe. Non, ça va, il m'a. Ah, si, peut-être qu'il m'a touché. Allez, on y va. Hop, le début c'est un peu long, je sais. Hop. Je ne suis qu'un réceptacle. Bénédiction ou malédiction. Voilà, hop, on va toucher vite. Ah, dommage. Hop là, on va flash, ouais. Peu foiré. Ouais, c'est loin. Non, pas passé. Ouais, c'est il est, voilà. Non, dommage. Alors là, on va augmenter court-circuit. Non, petit lag. Ah, dommage. Plus de mana. On va prendre un séculaire. On va essayer de le prendre dès le début. Alors qu'est-ce qu'on a séculaire en premier? 750. Il me faut au moins les 750. Ah, décidément. Voilà. Soit j'ai plus de mana. Non, dommage. On va l'augmenter niveau 2. Au début c'était le court-circuit, mais bon, là j'ai vu que ça va être lui qui va être mon. Ah, j'arrive pas à la stit. À chaque fois que je veux la stit, il crève au même moment. Ouais, j'y arriverai pas. On va back. Elle va rester près de son truc. On va en profiter pour back alors. Vu qu'il me faut du mana, on va pas TP, je pense. Alors, on va laisser ça augmenter tranquillement. On va voir. Là, elle fait que du last hit, alors elle en profite forcément. Ouais, c'est surtout une. On a pris Rise, c'est surtout histoire de vraiment connaître ses nouveaux sorts. Je pense que court-circuit, il faut au moins l'augmenter niveau 2 dès le début. Et ensuite, augmenter ça. Je vais peut-être échouer, mais je n'abandonnerai jamais. Voilà. Alors, à son ulti, on va faire gaffe. De toute façon, moi, mon ulti ne sert à rien. Oh oh. Ouais, là je suis un peu dans la merde. On va back. Et on va TP. Voilà, j'ai mon TP.
Ah, 53, ouais. J'ai un peu perdu, pas mal. C'est pas grave. Voilà. 35, un peu bas. Pas grave. Si j'avais reçu une rune pour chaque kilomètre que j'ai couru, j'aurais fini de courir depuis longtemps. Reste à distance. Allez, on va augmenter ça. Ah quoi, ouais, avec Zinker. Voilà, stun. Ah, m'aura pas. Voilà. Et on l'a eu. Parfait. On va essayer de... Hop, voilà. Et voilà. Ça nous a permis de remonter. Donc, franchement, les gars, partez sur flux envoûtant, prison runique et un court-circuit. Parce que quand on a deux flux, justement, ça augmente. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre des bots cette fois. Et on y va. Et on y va. Ça s'est super bien passé. Alors, qui est mort dans notre équipe? J'ai vu qu'il y avait des morts. Ok, c'est le bot qui est mort. Hop, on va faire ça comme ça alors. Ça comme ça, ça voilà. Hop, le Zilean qui est là et le Velkos là. Voilà. Donc alors, bien sûr, par rapport à son passif, le mana augmente sa puissance et la puissance augmente son mana. Tout simplement. Voilà pourquoi je pars direct sur un bâton séculaire. Oh là, le feu de la caca là. Voilà. Oh mince, pas assez. Voilà, je la stun, je la poke un max. Ok, c'est parti. Hop, SS. Voilà. Tu ne mérites pas de poser ces questions. Un ennemi a été tué. Va-t'en. J'ai mon TP, je vais pouvoir le prendre. J'aimerais bien la tuer avant. Leur esprit ne pourrait pas assimiler sa condition. Le sang va couler. Dommage.
Dommage. Non, j'ai plus de... Je sais pas ce qu'il faut. Ok, à la flash. C'est bon ça. On va voir si j'ai assez. Non. Ok, hop là. On a flash. Fallait. Donc là, on va prendre ça. Voilà. Et on back. Parfait. Elle a utilisé son ulti pour essayer de me tuer. Je l'ai contré. Parfait. Rien à dire là-dessus. Hop, on va prendre ça, on va partir sur le Morello maintenant. Je voyage vite et je voyage léger. Ok, on va TP maintenant qu'on a le séculaire. Les créateurs me guident. Ouais, ok. Ok, ça c'est CSS. La magie nous condamne. Ok, allez au mid. Je suis au top. Je suis bien. On a un peu éloigné ça. Je travaille seul. Les autres me ralentissent. Voilà, on sait pas où elle était. L'équipe a détruit une tourelle, ça va, ça se passe bien. Ah, j'ai pas. J'ai peut-être pas beaucoup farm, mais j'ai vraiment fait attention un peu à... Ouais, je suis mort là. Dommage, j'ai fait un peu de la merde. J'ai fait de la merde. J'aurais dû essayer de l'ulti là, je l'ai fait vraiment comme un sac. MAU, c'est pas grave, je vais prendre ça. Puissance, mana. Toujours essayer de faire en sorte d'avoir la puissance et le mana. Donc là, augmentation actuelle, voilà, les sorts. Les sorts de Raze infligent des dégâts supplémentaires en fonction de son mana supplémentaire et son mana max est augmenté de 5% tous les 100 points de puissance. On va essayer de se dépêcher d'arriver à mon point. On va y aller. Oh, je l'ai même pas eu. Ouais, GG. Ah, bien escape ça. GG. Alors on va en profiter pour back. On va prendre le délai de récupération comme ça. On va être bien, voilà.
Et on y va. Puissance, encore puissance. Toujours puissance, comme on dit. C'est ce qu'il faut. Ah 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 ah. Je veux protéger ces mortels. C'est pour ça que je les tiens à distance. Meurtre en série. Bien joué. Recule. Ils veulent lire mon parchemin. Interruption. Interruption. Voilà, bon, la Fiora elle s'est remis bien. Ah, oh, je l'ai pas tué. GG. Voilà. Et ils vont perdre la tourelle. Ils ont perdu le Drake, ils vont perdre ma tourelle du top là. Non, c'est bon, il y a une Jinx au top. Alors, SS. SS stop. Ne vous fiez à personne. Surtout pas à ceux qui recherchent le pouvoir. Donc voilà, j'ai indiqué que elle était là. Ça risque de geler. Ouais, ok. Kezira est là. Zira va se ramener avec Victor derrière. Certaines choses doivent rester secrètes. Voilà. Morte. Non, c'est à moi ça. Hop, de toute façon, voilà. Ça se détruit au fur et à mesure. Voilà, parfait. On va pouvoir push. On va voir un peu ce qu'il y a de l'autre côté, comme on dit, du mur. Qu'y a-t-il de l'autre côté du mur? Ah, il est mort. Aïe, 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 aïe. Hop là, voilà. On va back, vu qu'on a ce qu'il faut. On va prendre le Morello et partir sur des bottes. Bottes de lucidité, oui et non. J'ai bien envie de prendre un peu de la rythmie magique, vu avec ce qui s'est passé là. Après, partir ouais, sur un sceptre abyssal peut être intéressant. Je pense qu'on va partir sur un sceptre abyssal plutôt que les bottes, et on va prendre des bottes de lucidité dès qu'on aura le mana. Enfin, les giles. On va TP. Hop. Voilà. Quand on est occupé à sauver le monde, les gens veulent vous parler. On va faire un petit push. Et on va ward. Ouais, voilà. J'ai vu un truc là. Et on push. Et on part. Voilà, pas besoin de partir plus loin. Normalement le bleu a été fait. Ouais, le bleu a été fait.
Ok, je viens de voir un truc là. Si Dorine est chargée jusqu'à 2 maximum, ouais. Et ça, les sorts qui tuent les ennemis affectés. Tac tac, les consommes plus. Ok. Ah, c'était juste. En fait, à chaque fois que je balance ça, ça passe. Voilà. Voilà. Hop, on récupère le point. Donc là, si je me trompe pas, consécutif charge une rune 4 secondes, tire un projectile infligeant. Premier ennemi touché, ouais, bof. Il y a un truc. Truc que je comprends pas. Donc là j'en mets, ouais, voilà. Voilà. Là il y a un truc s'étend sur les ennemis. Applique un flux sur un ennemi, dégâts magiques. Les sorts consomme. Les sorts qui tuent les ennemis infectés par flux en bout de temps. Applique. Ok, c'est pas marqué, mais ce que je peux vous dire, c'est que utiliser flux envoûtant sur court-circuit, enfin flux envoûtant pendant que court-circuit est en train de est en CD, et ben ce court-circuit se recharge instantanément. Pour l'instant je vois pas où c'est marqué. C'est pour ça que je trouve ça bizarre. Ah, toi elle est détruite, je vais aller au top. Allez go top, allez TP. Vous savez ce qui me manque? Ah, c'est nouveau ça. Je ne suis qu'un réceptacle. Oh, je l'ai tué. Je l'ai tué, mais la tourelle a fait mal. Comment on fait là le Z prêt là? Ah, halt. Votre équipe a détruit une tourelle. Non. Ah, mais je suis mort, donc forcément c'est pas prêt. Regardons. Non, ça veut pas marcher. Non, ça marche pas. Peut-être que je l'ai pas mis. Rise. Maintenant, pour vous dire un peu mon ressenti sur Rise là, sur un premier abord où je le touche, il va devenir fort. Très très fort. C'était déjà un champion fort, Ryze. Et là, il va l'être encore plus. Ok, j'ai sauvé la Caitlyn. Parfait. Là voilà.
On va détruire ça. Voilà, c'est bon. Je l'ai pas eu. On va back. 2000, ouais, y a moyen de back là. Spaf, tac. L'armure, non, j'ai déjà pris des maîtrises runes. Peut-être qu'on va prendre ça, augmenter la puissance. Ouais, on va prendre ça. Si on a le temps, bien sûr. Je pense que la game sera finie bien avant. Mais moi, je partirai sur un... sur une coiffe de Rabadon. Je dirais, coiffe de Rabadon. Et pourquoi pas, ouais, le bâton de l'archange qui peut être intéressant. Là. Allez, on tape, allez. On y va, on va les rejoindre. Et voilà. Là-dessus les gens, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle partie, c'était Nides85 sur une preview sur Rise pour voir comment il était. Et franchement, moi je peux vous dire que c'était énorme. Salut les amis!